Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Il est 8h37 sur BFM TV et RMC. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On va revenir dans quelques instants sur cette hausse des prix de l'électricité, des tarifs de l'électricité au 1er août. La hausse aussi à venir des taxes sur le vin et l'alcool. Mais d'abord, Elisabeth Borne, maintenue à son poste à Matignon, maintenue comme première ministre par Emmanuel Macron. Et ces mots du président hier soir en accueillant le gouvernement à dîner, sans doute pour la dernière fois dans sa composition actuelle, là où on nous prédisait le pire, dit le président, le gouvernement a mené beaucoup de réformes, on peut collectivement être très fier de ce qui a été fait ces derniers mois. Fin de citation. Est-ce que vous lui reconnaissez ce bilan à Elisabeth Borne à Matignon? Malgré tout ce qu'on prédisait, la majorité relative, le contexte incandescent, eh ben mine de rien, les textes sont votés. Ah ben si elle est fière d'elle-même... C'est le style, c'est même à ça qu'on la reconnaît sans doute. Mais moi j'ai déjà dit que je trouvais logique finalement cette reconduction et on pourrait dire pourquoi logique que, bah, Emmanuel Macron reconduit Emmanuel Macron. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Reconduit Elisabeth Borne. Oui, mais précisément, qu'est-ce que le bornisme, si ce n'est le macronisme en vérité? C'est une méthode brutale qui consiste à imposer 2 ans de plus de travail, notamment aux Français, sans même qu'une seule fois il y ait un vote à l'Assemblée nationale qui valide ou pas cela. On va pas faire le débat, mais il y a eu un vote au Sénat sur la réforme des retraites. Donc vous confirmez ce que je dis, ça même qu'une seule fois à l'Assemblée nationale. Et il y a une motion de censure qui a été rejetée à l'encontre de l'Élysée. C'est un autre sujet. Mais on va pas revenir sur ce débat. Mais je remercie, comme ça on peut le dire une troisième fois, sans même qu'une seule fois l'Assemblée nationale ait pu dire oui ou non si elle voulait que 2 ans de plus les gens travaillent. Et pour quelle raison? Il n'y a pas eu de vote? Parce que l'Assemblée nationale n'était pas d'accord. Et donc on a un gouvernement qui est minoritaire. Ce que je veux dire par là, c'est que Madame Borne, c'est que Madame changer de politique. Changer de politique. Vous n'attendez rien du remaniement. Je ne suis pas pour qu'on amuse les Français pendant l'été sur un soi-disant casting qui changerait pour continuer la même politique. Et comme la même politique, vous n'en attendez donc strictement rien de ce remaniement. Comme la même politique va continuer, voire même elle va continuer à empirer parce qu'il y a des projets de texte dangereux sur la question du travail durant l'année qui vient ou d'autres sujets. Mais de toute manière, on va continuer ce que je comprends, la méthode du 49-3. Le 49-3, les Français ont appris ce que c'est. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de plus antidémocratique dans notre Constitution. Normalement, il y a la représentation nationale. 577 députés qui représentent la nation. Eh bien, normalement, ils sont consultés, ils donnent l'avis, ils ne peuvent pas le donner sur le budget. C'est fondamental, le budget. 11-49-3 ont été utilisés durant l'année qui vient de s'écouler avec Madame Borne. Et même sur la question du travail, c'est fondamental, madame, de savoir si vous allez travailler 2 ans de plus. On a vu, les corps s'usent, beaucoup de gens à partir de 55 ans ne sont plus au travail. Ça va aggraver la pauvreté, etc. etc. Mais donc vous n'attendez rien du remaniement? C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut changer de politique. Et je pense que Emmanuel Macron... Ça ne passera pas par un changement d'équipe. Non, parce que ce qu'est le macronisme, c'est le présidentialisme exacerbé. C'est la 5e République à plein. Il décide de tout. On a même vu que c'était lui, quelques heures avant le dernier utilisation du 49-3, qui avait décidé que finalement Madame Borne allait utiliser le 49-3. C'est une exécutante. Alors, il y aurait pu avoir l'exécutante exécutée. On apprend que ce n'est pas le cas. Mais ça ne change rien sur le plan de la politique. On a même vu que M. Macron a pris à dire à Mme Brodeur qu'il fallait aussi empêcher qu'à l'occasion d'un débat lors d'une niche parlementaire, je ne sais pas si les gens se souviennent, parce que c'est l'été, le groupe Lyot voulait qu'on revienne sur la réforme. Et Yael Braun-Pivet, je précise, tout de même président de l'Assemblée nationale. Bien sûr, président de l'Assemblée nationale. Vous n'attendez rien de ce changement d'équipe. Est-ce qu'il y a quand même des figures que vous regretterez? Parmi les noms qui sont le plus cités, parmi les sortants, après beaucoup avoir... de figures de gauche. Par exemple, quand je dis que je n'attends rien, Chiappa, Pap Ndiaye, je vais en parler, mais justement, moi, je veux pas accabler les personnes. Je viens de cibler Mme Borne, mais quelque part, comment dirais-je, c'est pas elle le problème, une fois de plus. Il eût été quand même piquant, voire même cruel, que celle qui exécute les ordres du président qui reste en place, en quelque sorte dégage, si je puis dire, parce que l'humeur du président, après avoir dit beaucoup de mal, notamment auprès de vous les journalistes, qu'elle n'était pas bien, qu'il fallait la changer. Alors après, vous me citez des noms. Certains que je connais d'ailleurs, c'est ça qui est paradoxal. Monsieur Pap Ndiaye, je l'ai connu comme étant un universitaire respecté, respectable. Quand il a été nommé à ce même micro, vous nous aviez dit « je le respecte ». Oui, oui, je le respecte parce que je le connais comme intellectuel, comme homme qui a notamment travaillé sur la question noire. Il avait fait un ouvrage là-dessus. Je l'ai connu directeur, je ne sais plus quel était son titre exact, du Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est un homme dont j'appréciais les travaux et la personne. Quand il a été nommé, il y a quasiment un an, jour pour jour, j'ai plus la date en tête, j'ai contacté son cabinet et je lui ai dit, voilà, il y a 12 députés de la Seine-Saint-Denis qui sont de NUPES, nous venons d'être élus, et qui veulent vous recevoir sur la question
des questions scolaires en Seine-Saint-Denis. On estime en Seine-Saint-Denis qu'il y a près d'une année entière de scolarité sur la totalité de la scolarité des enfants qui n'a pas lieu parce que des professeurs ne sont pas remplacés. On le reçoit, il nous dit qu'il est sensible à tous ces problèmes de remplacement. On lui évoque le cas, vous savez, les AESH, les aides éducatives aux enfants qui souffrent de handicap, qui sont particulièrement précarisés, etc. Et il nous dit qu'il va agir. Il ne s'est rien passé, rien de significatif. Oui, enfin, il a une absence de bilan. Et il a même si ce n'est pas totalement en plus son ministère, mais il est relié, la réforme des lycées professionnels, qui va être un des grands scandales de la rentrée prochaine, qui va affaiblir encore plus la formation professionnelle, qui va faire encore plus aligner cette formation indispensable. La formation professionnelle, on n'en parle pas souvent, c'est 700 000 enfants. C'est les enfants de la classe ouvrière. C'est ce que nous avons de plus précieux. C'est ce qui permet que nous ayons une manœuvre qualifiée. Eh bien, l'enseignement professionnel, qui était la fierté de notre pays, va être aligné sur l'apprentissage, qui, lui, a des taux d'échec plus important au diplôme. C'est aussi ça que M. Papendiaï a accompagné au niveau du remplacement des professeurs. Mais c'est pas significatif. De changer un ministre de l'Éducation à un mois et demi de la rentrée. Ah ben ça, vous en parlerez aux responsables. Moi, ce que je veux dire fondamentalement, et je l'avais vu avec M. Papendiaï, c'est qu'il arrivait, mais le directeur de cabinet de M. Papendiaï était un homme de l'équipe Blanquer. Donc il n'a rien et pu je faire. Le dis, je ne veux pas que M. Ndiaye le prenne mal. Il a servi en quelque sorte de prétexte, de vitrine. M. Blanquer était tellement un personnage grossier. Ce que j'appelle, c'est qu'il ne cessait d'inventer le thème du wokisme à l'université, qui en vérité tout ça était un gros pipeau, personnage brutal, que M. Macron avait sans doute compris que le personnage était trop problématique. On a voulu remplacer Papendiaï, qui était en quelque sorte un peu l'inverse, un homme plus calme, plus de dialogue, mais comme la même politique après on continuait. C'est-à-dire on continue à avoir une situation de difficulté dans l'établissement scolaire, de non-remplacement des enseignants, de sous-paiement et de précarisation de ce qu'il y a de plus précieux, c'est les AESH notamment, etc. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Alexis Corbière, j'aimerais qu'on revienne sur un message qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours un mentor pour vous. Moi, j'aime pas ce mot. Jean-Luc est un compagnon de combat depuis 25 ans. Mais le mot mentor, ça infantilise celui qui serait mentorisé. Je vous cite le tweet qu'il a écrit ce week-end. Après un discours du président du Conseil représentatif des institutions juives de France, au cours d'une cérémonie de commémoration, qui vous accusait de prendre des libertés avec l'arc républicain, Jean-Luc Mélenchon lui répond « Le président du CRIF utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rafle des Juifs par la police française pour me prendre à partie. Abject, l'extrême droite n'a plus de limite. » Pour bien comprendre, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est en train de dire que le président du CRIF est d'extrême droite? Non, je ne crois pas. Moi, je ne le pense pas. Maintenant, vous ne le pensez pas, oui. Il vous a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Je n'ai pas eu le temps d'échanger avec Jean-Luc Mélenchon, mais ça n'est pas le sens du il message. Il n'a donné aucune explication à ce message. Et de toute manière, M. Harfi, je ne le classe pas comme un homme d'extrême droite. À vrai dire, je ne le connais pas et je profite de ce micro pour dire une chose. Je suis prêt, moi, à le rencontrer et à discuter, et avec d'autres d'ailleurs, je pense que ça intéresserait les députés de la France Insoumise. Reprenons le fil en essayant d'aller vite. Vous nous dites ce matin. Après ce tweet, mais moi je pense que ça vaut le coup, si c'est un homme de dialogue, et on me dit que oui, j'ai des connaissances communes, que nous puissions échanger pour voir où est le problème. Maintenant, j'aimerais qu'on reprenne juste, je vais aller très vite chronologiquement. Et là où moi je suis monté en soutien, y compris à ne pas comprendre la prise de parole de M. Harfi d'abord. Nous sommes à l'occasion de ces journées d'anniversaire à la RAF du Vel d'Hiv, qui est une date qui a mis du temps à émerger dans le calendrier des commémorations, qui est une date importante. 13 000 personnes juives arrêtées par la police française, raflées, et pour l'essentiel qui termineront dans la mort des camps de concentration. C'est une date qui, pendant longtemps, la communauté nationale, et en particulier les personnes juives, se sont battues pour qu'elle existe alors qu'elle avait été effacée. Ce jour-là, il faut du recueillement. Et j'ai en mémoire... Il y en a même, eu. Et j'ai en mémoire... Oui, mais j'ai en mémoire... Robert Badinter, en 1993, qui a accompagné François Mitterrand, qui a été pris à partie à l'occasion d'une des premières cérémonies par des gens qui lui reprochaient des choses, qui avaient même crié Mitterrand à Vichy. Et Robert Badinter était intervenu au micro pour dire à ces gens, qui étaient souvent de confession juive, mais qui faisaient des reproches à François Mitterrand, il leur avait dit « Aujourd'hui, les morts nous écoutent. Et vous me faites honte d'utiliser cette cérémonie pour faire des reproches. » Ce que je veux dire par là, c'est que si M. Harfi a des reproches à nous faire, il y a d'autres occasions sans doute mais pour le faire. Ce qu'il dit, il l'avait dit à d'autres occasions. Pour mais le coup, peut-être pas. Le message qui a été moi le sien, et ce n'est pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Quand Jean-Luc Mélenchon dit l'extrême droite n'a plus de limite, il évoque d'un côté ce que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire le moment qui a été choisi.
Mais il va encore plus loin. Vous ne l'auriez jamais écrit, ce tweet, vous. Mauvais moment. Vous l'auriez écrit, ce tweet. Vous l'auriez écrit comme ça. Non, mais attendez, moi, je ne suis pas là pour prendre le débat comme ça. Je vais vous dire. Premièrement, monsieur, à travers vous. Non, mais moi, je vais être très clair. À travers vous, je m'adresse à monsieur Harfi. C'est une mauvaise chose de choisir cette date. C'est une date de recueillement pour nous cibler. Deuxièmement, comme moi, je suis un homme de dialogue et on me dit que monsieur Harfi aussi peut être un homme de dialogue. Parlons-nous. Moi, j'ai écouté, j'ai lu dans la totalité du discours de M. Harfi. Une grande partie est consacrée à dénoncer l'extrême droite et sa progression. Notamment, il dit qu'il est bon de rappeler que Mme Le Pen est la dirigeante d'un parti qui a été fondé par des antisémites, et M. Harfi a raison. Bon, ceci dit, je pense qu'après, il nous reproche, si j'ai bien compris, une mauvaise façon de lutter contre l'extrême droite. Eh bien, discutons de comment on lutte contre l'extrême droite. Le message est passé à Alexis Rubel, mais pourquoi est-ce si compliqué de dire que le tweet de Jean-Luc Mélenchon est ambigu, qu'il gagnerait à s'expliquer que pourquoi est-ce qu'il ne dit pas « je n'ai pas voulu faire de parallèle entre Jonathan Harfi et l'extrême droite ». Ça valait quelques mots sur Twitter, ça n'a pas existé ce week-end. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, enfin moi c'est que... Mais c'est difficile attention, de dire, mais non, mais la formulation mais est ambiguë, c'est difficile de dire y a une ce tweet n'aurait peut-être pas dû exister dans cette forme-là. Compris, pardon, je le dis sur BFM, mais moi je suis contre la bolorisation des arguments. Au moment où on vient de dire à tout n'importe quoi contre la France insoumise. Et d'un certain point de vue, la critique de M. Harfi n'est pas rigoureuse sur ce que nous sommes. C'est une critique qu'on entend régulièrement sur cette chaîne concurrente, par des gens qui sont des militants d'extrême droite, pour certains arguments. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi, d'accord ? L'islamisme, le communautarisme et tout ça, c'est des arguments qui ne servent pas à la lutte contre l'extrême droite. Et je fais le pari que M. Harfi sera d'accord avec moi. Donc c'est grave. Qu'est-ce que c'est qui fait monter l'extrême droite? Quand après 5 ans d'Emmanuel Macron, entre 2017 et 2022, l'extrême droite a progressé de 3 millions de voix, c'est quand même pas Jean-Luc Mélenchon qui en est responsable. Donc moi, avec les gens de bonne volonté, discutons. Comment on fait en sorte que ce pays ne bascule pas dans l'extrême droite? Qu'est-ce que c'est que dans ce que nous faisons qui pose problème? Je pense en plus qu'il y a beaucoup de choses qui, si nous parlons, on s'apercevra qu'elles ne sont pas exactes dans ce qui est reproché. Voilà ce que moi, Alexis Corbière, si je puis dire, c'est une initiative personnelle ce que je dis. Parce qu'on me dit que M. Harfi est un homme de dialogue, etc. Ben, discutons. Je ne parle pas là maintenant, là on est dans l'été, mais pourquoi pas, Alexis Corbière? Pardon, c'est quoi l'extrême droite pour vous, Alexis Corbière? Le Rassemblement national, Reconquête. On a l'impression que par moment, dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, toute personne qui n'est pas d'accord avec lui est d'extrême droite. Non, c'est pas vrai. Mais moi, je ne pense pas ça, et M. Mélenchon sans doute non plus. Je veux dire, l'extrême droite, c'est des partis, c'est Mme Le Pen, c'est Éric Zemmour. C'est une force politique, ce sont des forces politiques qui progressent. Maintenant, après, il y a un autre débat. Et je profite là, quand, après vous avoir laissé à 10h, je serai avec les journalistes du JDD. C'est qu'il y a des émetteurs, des acteurs, des militants d'extrême droite qui sont dans une démarche aussi de diffusion dans le monde des médias. Et notamment la rédaction du JDD s'oppose à la nomination de l'ancien rédacteur en chef, je crois, ou directeur de publication de Valeurs Actuelles, qui a été expulsé de son journal parce qu'il était jugé comme trop d'extrême droite et qui rejoindrait la rédaction du JDD. Les journalistes du JDD, malgré le terme reproche que je peux leur faire, ont raison de dire que si un grand hebdomadaire passe entre les mains d'un homme qui est dans une croisade d'extrême droite, je nomme là M. Geoffroy Lejeune, qui est un homme structuré, intelligent, mais qui est clairement dans un combat civilisationnel, identitaire, bon, ben là, il y a un problème. Ça, c'est l'extrême droite qui progresse. C'est l'extrême droite qui progresse. Les idées qui se répandent dans le pays, que c'est la faute à l'immigration, que nous sommes aujourd'hui sous la pression de gens d'une vague qui remettra en cause l'identité même du pays. RMC et BFM TV. Oui, et je vous remercie d'ailleurs. On a appris hier des hausses significatives dans plusieurs domaines. Plus 10% pour les prix de l'électricité au 1er août. La hausse du pass Navigo, c'est le pass pour prendre les transports en Île-de-France. Donc ça, c'est à partir du 1er janvier prochain. Et une nouvelle taxe à venir sur les alcools et les vins. Est-ce que l'une de ces augmentations est justifiée pour vous, compte tenu du contexte budgétaire? Ah non, mais scandaleuse. Les trois sont plus scandaleuses. Plus 10%, je vais parler du prix de l'électricité en particulier. Ça fait depuis 2019, je crois, 31% d'augmentation. Ça aurait dû être près de 75% si on écoutait la commission de régulation de l'électricité qui faisait des recommandations au gouvernement. Et si on écoutait la France insoumise, je suis pour le blocage des prix, d'accord? Donc c'est, si on a un gouvernement énergique qui pense au peuple et pas à je ne sais trop quoi, on aurait des solutions. Qu'est-ce que c'est qui, et là on n'a pas le temps de développer, mais le prix de l'électricité, il n'est pas fixé sur le prix de la production. Il augmente parce qu'il y a un système, un prix européen de l'énergie qui est indexé sur le gaz. D'accord, donc on en vient à une situation où l'électricité ne coûte pas plus cher en vérité. Ce qui nous permet, quand on n'a pas beaucoup de production d'électricité, d'importer, de bénéficier aussi de la solidarité. Il y a un phénomène de solidarité européenne qui fait qu'il y a aussi un marché de l'électricité. Avouez qu'il est absurde qu'il y ait un effet mécanique, que l'électricité ne coûte pas plus cher. Nous sommes quand même un pays qui produit de l'électricité, mais que nous nous retrouvions avec une augmentation de 31%. Le gouvernement a fait le calcul, 1 800 euros, c'est quasiment un mois de salaire
supplémentaire qui va partir pour payer l'électricité qui ne coûte pas plus cher, mais parce qu'elle est indexée sur le marché européen. Sur l'année, c'est 60 euros par mois. Sur l'année, j'entends bien. Mais pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Oui, un mois de salaire sur l'année, on aura compris, pardon. Merci de préciser. Mais c'est qui ? Je veux dire, tout le monde est pris à la gorge. Là, on vient d'avoir une inflation de 4% sur les prix, 13% sur les produits d'alimentation, les salaires qui ne suivent pas. Selon l'OFCE, une perte de pouvoir d'achat de près de 2% à la fin du mois. Et en même temps, c'est mon petit effet, mon ami François Ruffin l'a fait avant, magazine de challenge, les 500 premières fortunes qui, elles, augmentent comme on n'a jamais vu. Aujourd'hui, 40% du PIB, l'équivalent de 40% du PIB est entre les mains des 500 personnes les plus riches. Monsieur Bernard Arnault a vu sa fortune personnelle augmenter de manière exponentielle. Donc on est dans un pays... Et Gabriel Attal, hier, ministre du Budget, vous dit mais la France n'est pas un paradis fiscal, on a des taux d'imposition qui sont parmi les plus élevés. Ça, c'est la blague du mois de juillet de monsieur Attal. C'est un farceur qui, si lui venait à ne plus faire partie du prochain gouvernement, peut faire du stand-up. Mais on arrête de dire des bêtises. Les plus fortunés de ce pays sont moins imposés que l'ensemble de la population. D'accord ? Quand on est républicain, qu'est-ce que ça veut dire la République ? La République n'est pas un régime neutre. C'est un État qui organise justement l'égalité entre les citoyens. Le principe, c'est que les petits payent petits, les gros payent gros. Moi, c'est ma règle, justement. Quand on a l'honneur de pouvoir accumuler une fortune, certains le doivent d'ailleurs à leur talent ou je ne sais trop quoi, mais on participe plus à l'effort national. Et notamment par des réformes fiscales, on permet que nous puissions vivre mieux. Et sur l'alcool, est-ce qu'il faut augmenter la taxe sur l'alcool ? Votre collègue Fabien Roussel, le communiste, il dit que c'est une taxe anti-classe populaire, c'est aussi une taxe de santé publique. Non mais qu'il y ait des politiques de santé publique qui soient menées de prévention, il ne faut pas fumer, il ne faut pas abuser d'alcool, je suis d'accord. Maintenant on voit bien là que dans le contexte dont je suis en train de parler, c'est-à-dire que tout augmente et on continue à créer des conditions que tout ce qui est de la consommation populaire est de plus en plus lourde. Merci. Redevenons à la hauteur de la situation. Il faut bloquer les prix, il y a eu des effets d'aubaine, on a plus le temps d'en parler, de quelle manière la grande entreprise distribution a profité de la situation. Et vous reviendrez pour nous en parler sur RMC et BFM TV. J'espère bien, je souhaite à chacun un bel été. Merci beaucoup. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Merci beaucoup Alexis Corbière. Bonne journée à tous. Et dans un instant, nous irons dans les Alpes de Haute-Provence, cette commune, ce hameau du Haut-Vernay qui est toujours coupé du monde. Nous sommes 11 jours après la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, toujours aucune piste, toujours aucun indice, en tout cas officiellement. Le point complet sera avec nos envoyés spéciaux et mes invités sur le plateau. A tout de suite. Nouvelle Volkswagen ? Ouais, bien vu. Une électrique ? C'est courageux. Tu sais, l'autonomie, la recharge rapide, c'est pas encore ça. Salut Emma ! Alors, cet essai ? Écoute, super ! Papa, t'as vu, c'est une électrique ! Il faut que je parle à maman une minute. Volkswagen. En France, on va toujours de l'avant. On y va avec toute notre assurance. L'assurance des lève-tôt, des couches-tard qui se lèvent tôt, des grands bosseurs, des petits travailleurs. Notre assurance, c'est celle de tous les Français. Ici, là, partout, même là. L'assurance qui vous accompagne dans vos projets, vos combats, vos envies, vos galères. Chez AXA, on est fiers d'inventer chaque jour l'assurance qui vous ressemble. AXA. Pour 5 900